Bien, donc je tiens à vous remercier de m'accueillir pour contribuer à cette étude qui porte un titre aussi emblématique et riche de sens que le temps des vies des femmes, et j'y suis très sensible. Je retrouve avec plaisir beaucoup d'entre vous et découvre avec beaucoup d'intérêt les nouvelles qui viennent contribuer aux travaux de cette belle délégation. La communication dont j'ai été rapporteur sur la santé des femmes en France a été réalisée en 2010. Elle s'appuyait sur des études, des rapports, des auditions disponibles à cette date. Le soutien de la présidente de la délégation, Geneviève Bell, s'est révélé précieux et le talent et l'engagement sans faille d'Elisabeth Divois a fait de cette aventure, de cette étude, une très belle aventure. Alors depuis, certaines de nos recommandations se sont trouvées concrétisées avec un impact positif sur les conditions de santé des femmes, alors que force est de constater que les inégalités sociales et territoriales persistent, contribuant à prolonger l'idée d'un portrait toujours contrasté, ce qui était le titre de notre étude, sur la santé des femmes en France. Il s'agit en effet de considérer que les femmes, regardées sous l'angle de leur santé, forment un groupe marqué par une très grande hétérogénéité, je savais que je n'arriverais pas à le dire, que ce soit en termes d'espérance de vie, de suivi de grossesse, d'obésité, de recours au dépistage ou de renoncement aux soins, selon leur origine sociale, l'endroit où elles vivent et leur situation familiale. Alors pour reprendre la première question qui m'a été posée pour organiser cette audition, sur les évolutions dont nous aurions pu prendre connaissance depuis la parution de cette étude, je vous propose de reprendre nos travaux depuis cette période fondatrice de la vie d'une jeune femme, l'adolescence, jusqu'au chapitre traitant des incidences des conditions de travail sur la santé des femmes. Alors j'ai hésité à traiter de la période de l'adolescence, mais en reprenant la saisine sur laquelle vous travaillez, le sujet porte bien sur les différents temps de la vie des femmes. Et le temps du travail domestique passe par le travail que les femmes se prescrivent à elles-mêmes, mais aussi par le travail qui consiste à organiser la vie familiale, l'éducation des enfants et à se trouver prescriptrice de santé. Alors j'en reviens à l'étude de 2010. Nous notions à ce moment-là, et c'est sans doute toujours vrai, que si l'adolescence était globalement une période de bonne santé, elle n'était pas exempte de risques. Le premier étant la consommation d'alcool ou de produits psychoactifs. Et il semble que cette tendance se confirme tant chez les filles que chez les garçons. Et qu'elle soit alimentée par les moments de bizutage ou de soirées sponsorisées qu'il est très difficile de contrôler. La délégation préconisait alors de développer une politique d'éducation à la santé adaptée, ciblée, s'appuyant sur l'expertise des professionnels de santé de l'éducation nationale, les médecins scolaires, les infirmières scolaires. Alors nous avions été alertés aussi par la problématique de la prévalence du surpoids et de l'obésité qui apparaissait de plus en plus précocement chez l'enfant et l'adolescent. En 2010, plus de 18% des enfants étaient concernés, avec un taux de 25% chez les populations dans la précarité. Une étude réalisée en 2007 par l'Institut de veille sanitaire montrait que les filles sont plus sujettes à l'obésité dans les tranches 3-10 ans et 15-17 ans. Et si en 2006 on a commencé à constater une stabilisation dans l'ensemble de la population, force est de constater que l'obésité continuait à progresser dans les populations les plus précaires. Les recommandations de la délégation étaient d'amplifier les actions du Plan National Nutrition Santé 2, en particulier en approvisionnement en fruits et légumes des banques alimentaires, de renforcement des actions d'éducation à la santé en milieu scolaire et de soutien à toute action visant à faciliter la diversification alimentaire. La Commission sur la prévention de l'obésité a établi qu'en dessous de 3,50 euros par jour, il est impossible d'accéder à une alimentation équilibrée. On considère en effet qu'un euro permet d'acheter l'équivalent de 76 calories de fruits contre 384 calories d'un autre aliment. Une éducation et un accès à la santé dès le plus jeune âge faisaient partie des pistes à explorer, de même que la promotion et un accès au sport facilité, sans distinction ni spécialisation du sport par sexe. Depuis 2010, des effets notoires ont commencé à porter leurs fruits. Les opérations de promotion du sport féminin, même si elles restent timides, commencent à devenir visibles. Et on peut penser que le rééquilibrage des représentations femmes-hommes dans les fédérations sportives y ont sans doute contribué. L'éducation à la sexualité et la gestion de la fécondité chez les jeunes filles a fait l'objet d'un chapitre important de notre étude. Si nous avons pointé que le rôle des parents dans ce moment de la vie était fondamental,
La collaboration avec le milieu scolaire est, lui, essentielle. La circulaire d'application de la loi du 4 juillet 2001 détaille les modalités de mise en œuvre de l'éducation à la sexualité dans les écoles et les collèges. Et si cette circulaire est très complète, son application se heurte à des difficultés en termes de disponibilité, d'effectifs, ce qui génère des disparités importantes selon les établissements. Pour la délégation, il n'y a rien à ajouter à ce texte, mais simplement se donner les moyens de le faire vivre. En matière d'accès à la contraception pour les jeunes filles mineures, nous avions souligné que les exigences de confidentialité, de gratuité et de proximité étaient essentielles, en particulier pour les jeunes filles issues de milieux sociaux pour lesquelles l'inscription dans une démarche contraceptive était problématique. Nos recommandations allaient alors vers une garantie d'accès confidentiel et gratuit à une contraception, vers un renforcement de la médecine préventive universitaire, vers un développement de la formation des professionnels et une meilleure prise en charge financière des moyens de contraception. Dans la même idée, le taux anormalement élevé d'IVG chez les jeunes filles mineures avait attiré notre attention. Le rapport de l'IGAS, publié en octobre 2009, soulignait la faible utilisation de la contraception d'urgence. La délégation recommandait alors d'élargir tant l'accès à l'information qu'à la capacité de la prescrire ou de la délivrer. En ce qui concerne l'IVG, d'une façon plus générale, il était constaté en 2010 la persistance d'inégalités d'accès à cette IVG que l'on pouvait expliquer par la fermeture de centres publics pratiquant cet acte et le désengagement du privé. À ceci venait s'ajouter le départ à la retraite des médecins militants qui étaient engagés et souvent à l'origine de ces services. La délégation, afin de remédier à ces dysfonctionnements, préconisait de remettre des moyens, de réouvrir les centres d'orthogénie, d'instituer un numéro vert dans chaque département, d'informer les femmes sur les différentes techniques et d'améliorer les conditions d'accueil des femmes et la fluidité du parcours de prise en charge. Alors, en termes de bilan, à ce jour, en 2016, sur ce chapitre, si l'ensemble des recommandations de la délégation n'ont pas été reprises dans leur intégralité, nous ne pouvons que constater des évolutions majeures qui ont eu lieu sous l'impulsion, dans un premier temps, d'un ministère des droits des femmes très engagé, et dans un second temps, au travers des mesures de la loi de santé présentée en janvier 2016. En effet, cette loi de santé prévoit d'introduire un parcours éducatif de santé dans les établissements scolaires qui aurait pour objet d'apprendre à prendre soin de soi et éviter ainsi les conduites à risque. Des mesures de lutte contre l'alcoolisation massive visant à mieux réprimer l'incitation à l'ivresse des jeunes devraient ainsi voir le jour. Ces nouvelles dispositions mériteront d'être suivies avec attention. Ce parcours éducatif de santé prévoit une amélioration de l'information et de l'éducation nutritionnelle, permettant de lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires avec la découverte de pratiques diversifiées. L'incitation à une pratique sportive ludique et non sexuée devrait trouver sa place dans ce parcours. Et c'est peut-être chargé un peu en intention ce dispositif, mais il semblerait pertinent que soient repris les dispositions de la circulaire détaillant les mises en œuvre de l'éducation à la sexualité et au rapport entre les filles et les garçons dans ce fameux parcours. En ce qui concerne l'accès à une contraception anonyme et gratuite pour les mineurs, la mesure adoptée en 2012, consistant à l'accès gratuit à des contraceptifs pour les jeunes filles de 15 à 18 ans, marque une étape importante. Certaines régions ont même fait le choix d'étendre le dispositif et d'intégrer la prise en charge des examens de laboratoire nécessaires à la prescription d'une contraception sous forme d'un pass contraception. Mais à ce jour, sans s'interroger sur le manque d'information des professionnels de santé, sur les raisons de sa faible utilisation, ce dispositif est abandonné dans certaines régions et serait remplacé, enfin c'est l'une des pistes, par une application smartphone en Île-de-France. Je doute de la pertinence du dispositif. C'est personnel, ça. Les infirmières scolaires, depuis la loi de santé de 2016, sont désormais habilitées à délivrer la pilule du lendemain sans les restrictions qui venaient limiter leur capacité à accompagner une jeune fille en difficulté. C'est une avancée. Le lancement du numéro vert « Sexualité, contraception, IVG » financé par le ministère des Affaires sociales et porté par le planning familial et son réseau est un outil indispensable pour réduire les inégalités et les difficultés d'accès à l'information. On ne peut que se féliciter de sa mise en œuvre. De même, le site ivg.gouv est venu ouvrir une information objective et accessible sur l'ensemble des questions qui se posent autour de l'IVG. Dans cette même loi de santé, la possibilité pour les sages-femmes de procéder à une IVG médicamenteuse est désormais actée.
C'est une avancée notoire, d'une part de la reconnaissance de leurs compétences, ainsi qu'une mesure facilitant l'accès aux femmes à cet acte lorsqu'elles en ont fait le choix, sans passer forcément par un service hospitalier. Alors en matière de recours à l'IVG, si l'accès reste problématique pour les femmes les plus éloignées des centres d'orthogénie ou de planning familial, l'adoption du remboursement à 100% dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2012 a marqué un pas important. De même, la loi du 4 août 2014 pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes, qui supprime la notion de détresse, et la loi de santé de 2016 en supprimant le délai de réflexion, améliore et simplifie le parcours des femmes. Mais il convient de rappeler qu'un récent rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a souligné que l'IVG est un événement assez courant de la vie sexuelle et reproductive des femmes. Ce même rapport fait état qu'une femme sur trois, en moyenne, y aura recours au cours de sa vie. Et si les mesures concrètes et adaptées qui viennent d'être citées améliorent considérablement la capacité des femmes à disposer librement de leur corps, la vigilance reste de mise. Les tentations de limiter cette capacité existent et ne demandent qu'à émerger. L'exemple le plus emblématique se trouve emporté par la volonté affichée de supprimer le financement de centres de planning familial, partenaires pourtant incontournables de la santé des femmes. Nous avions abordé dans notre étude les différents cancers touchant les femmes. On avait noté à ce moment-là, il y a 6 ans, que le premier cancer était le cancer du sein, venait ensuite le cancer des poumons et le cancer colorectal. Et là, les courbes sont en train de s'inverser. Le cancer du poumon est en train de passer devant le cancer du sein. Les conduites addictives se rapprochant de celles des hommes ont peut-être pour effet négatif de faire des femmes des consommatrices de tabac de plus en plus régulières. Et avec un certain nombre de mesures dans la loi de santé pour y pallier, mais cette tendance se trouve vraiment à regarder de très près. Alors des études ont lieu, en particulier sur l'impact, sur le lien entre travail de nuit et cancer du sein. Alors j'entends avec plaisir ce que disait Florent Chappert tout à l'heure, qu'une nouvelle étude allait émerger. Oui. 3 ans d'études. Moi j'en suis ravie parce que j'en ai vu passer plusieurs, alors une en Allemagne, une en Chine, une en Israël et une en France de la part de Gustave Roussy, et qui n'apportent pas les mêmes éléments, mais il faut dire que les données de recherche ne sont pas les mêmes au départ. Et que ça devient très difficile de lire ce qui pourtant a été reconnu par l'OMS depuis 2007 comme un risque accru de cancer du sein, le travail de nuit chez les femmes. Donc voilà, je suis contente de voir qu'on va enfin peut-être pouvoir objectiver cette dimension. Alors je vous propose de revenir aux conditions de travail et impact sur la santé des femmes, même si Florent Chappel a largement balayé le sujet. Alors ce que nous avions retenu, c'était à partir de l'enquête Sumer 2010 qui faisait apparaître que les femmes étaient exposées d'une façon particulière aux atteintes à la santé au travail, ce qui était assez nouveau car la question de la santé au travail était largement focalisée sur les secteurs d'activité dits masculins où la pénibilité est forte, industrie, bâtiment, transport, et où les causes d'accidents et de maladies sont assez évidentes. Or l'impact des facteurs de risque au travail sur la santé des femmes conserve aussi à bien des égards un caractère d'invisibilité entraînant méconnaissance, sous-estimation ou faible prise en compte. Cette enquête menée par les médecins du travail a eu la vertu de mettre en lumière et d'objectiver les atteintes à la santé des femmes en lien avec leur travail. 58% des TMS touchent les femmes, on l'a dit tout à l'heure, notamment dans la grande distribution, les services aux personnes. Alors l'explication avancée était que les postes de travail qu'elles occupent impliquent précision, rapidité, mouvements répétitifs et positions assises prolongées qui peuvent être accompagnées de travail sur écran. L'apparition des TMS augmentant avec l'âge a été constatée. Pour la délégation, cela plaidait en faveur de conditions de travail soutenables tout au long de la vie, ouvrant la reconnaissance de la pénibilité. Cette enquête a aussi fait apparaître que près d'une femme sur trois est exposée à des tensions au travail, contre un homme sur cinq, et ces écarts deviennent encore plus importants dans la catégorie ouvrier-employé. Ce qui pourrait en partie s'expliquer par le fait que les femmes sont le plus souvent confrontées que les hommes à du harcèlement sexuel, des menaces ou des intimidations de la part de la clientèle ou d'usagers. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne rencontrent pas la violence au travail, mais celle-ci prend alors des formes différentes qui s'apparentent plus à des agressions. La violence peut aussi venir d'une organisation du travail qui impose des cadences rapides, une surcharge, des changements d'horaire ou de planning, avec les conséquences en matière de stress que l'on peut imaginer lorsqu'il s'agit non plus de concilier, mais d'assurer à tout prix vie professionnelle et vie privée.
âge, formation et situation identiques, les femmes apparaissent plus sensibles au stress et à la dépression que les hommes. Différentes sources de données mettent en évidence qu'une femme présente de 1,5 à 1,8 fois plus de risques qu'un homme de vivre un épisode dépressif. Ces inégalités face à la dépression seraient dues en partie à des conditions économiques et sociales qui exposent davantage les femmes dans la sphère privée et en particulier les mères de famille monoparentales. Ou bien dans la sphère professionnelle, lorsqu'elles occupent des emplois peu qualifiés, à faible latitude décisionnelle, avec des temps partiels subis et cumulés pour certaines. Mais les femmes cadres ne sont pas non plus épargnées par cette surexposition à un épisode dépressif lorsqu'elles doivent gérer une vie professionnelle intense et une vie privée. La délégation avait retenu alors la nécessité de développer des études permettant une analyse différenciée du travail des hommes et des femmes. Il nous importait en outre d'évaluer plus précisément les facteurs de risque auxquels sont exposées les femmes en mettant l'accent sur des études qui ont trait aux conséquences du travail de nuit sur la santé des femmes. Dans les recommandations de la délégation, la prise en compte du genre devait apparaître dans les définitions des normes ergonomiques et les indicateurs sur les conditions de travail qui doivent figurer dans le rapport de situation comparé devaient inclure l'exposition au risque et la pénibilité en prenant en compte le genre. Les CHSCT devaient ainsi pouvoir disposer d'éléments leur permettant d'aborder la santé dans toutes ses dimensions, y compris celle du genre. Et la conclusion de nos recommandations se terminait par une recommandation majeure, faire de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale une clause obligatoire des négociations de branche. Alors, 6 années après cette étude, le bilan reste contrasté. Même si l'idée d'une approche de la santé sous l'angle du genre commence à faire son chemin, y compris dans le domaine réglementaire. On peut considérer que la préconisation visant à demander à ce que des études permettant une analyse différenciée du travail des femmes et des hommes sera en partie satisfaite lorsque se terminera la nouvelle enquête sommaire 2006-2017. Et il nous reste pourtant à nous inspirer de nos collègues de la santé au travail canadien qui, eux, ont engagé des études et des mesures très proactives dans le domaine de la santé au travail sous l'angle du genre. Et nous nous étions beaucoup inspirés des travaux de Karen Messing dans ce domaine. L'évaluation des conséquences des rythmes de travail sur la santé des femmes, mais bien sûr des hommes, s'engage sous des angles différents selon les disciplines mobilisées. En effet, au cours de ces 6 dernières années, l'idée qui a évolué est que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes postes, y compris à l'intérieur d'un même métier, et que ces postes ne déploient pas la même activité. Et c'est de cette approche de plus en plus partagée que les études sur la santé au travail se sont emparées, avec en première ligne l'ANACT, que nous saluons, l'ADARES, l'ADRES et de nombreux organismes qui se penchent sur cette dimension. L'évaluation des risques abordée sous l'angle du genre préconisé dans l'étude s'est trouvée concrétisée dans l'article du Code du travail L4121-3 qui dit « Dans le cadre de leur démarche d'évaluation des risques, les entreprises devront dorénavant tenir compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Il s'agit maintenant d'une approche systématique et pas seulement ponctuelle sur certains risques, l'aboutissement de cette démarche étant la mise en place de mesures de prévention appropriées en vue de corriger les écarts liés aux différences d'exposition. Dans le même temps, le renforcement des informations du comité d'entreprise dans son rapport annuel devra intégrer distinctement le thème des conditions de travail, dans lequel sera analysée la situation respective des femmes et des hommes en matière de sécurité et santé au travail, et ce, pour chacune des catégories professionnelles. On y retrouvera des items tels que durée du travail, exposition au risque, facteurs de pénibilité, accident du travail, maladie professionnelle. Le rapport du travail devra aussi être renseigné désormais. L'introduction, tant dans la loi du 4 août que dans la loi de modernisation du dialogue social de ces nouveaux outils, ne peut que contribuer à une meilleure prise en compte de la situation des travailleurs masculins et féminins dans l'entreprise. Pour conclure, poser au féminin la question de la santé au travail, c'est faire apparaître que celle-ci a été durablement posée au masculin neutre en faisant l'impasse sur le genre. Analyser dans une perspective de genre, c'est admettre que dans les différences hommes-femmes, il n'y a pas qu'un aspect biologique, mais surtout une construction sociale. Et que cette construction sociale est marquée par des rapports asymétriques, où le masculin est privilégié par rapport au féminin, et par le rôle central du travail.
travail, tant dans l'affaire professionnelle que dans la sphère domestique, sujet qui vous occupe aujourd'hui. Avant de conclure complètement, je voudrais quand même revenir sur ce travail domestique que vous allez regarder et qui est caractérisé essentiellement par son invisibilité, mais qui n'est pas dénué de charges psychiques. Et ce que vous allez engager comme travail me semble particulièrement intéressant sous cet angle. Et je vous invite à regarder l'étude que Béatrice Rouin a faite pour le Conseil économique et social européen, qui traite de la professionnalisation du travail domestique et qui, à mon sens, me semblerait rentrer dans le champ de vos préoccupations. Je vous remercie.